Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler KVK, classement, mais surtout système de tourelles. What the fuck, après les forteresses qui bloquent tout, on a les tourelles maintenant. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, aucune excuse pour passer un bon été bien informé. Venez sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. On commence comme d'habitude par les events qui en pop ou pas. Qu'est-ce qu'on a en ce moment sur la très grande majorité des serveurs? Eh bien, on est sur la fin des événements préparatifs festifs, hein. La fin de l'événement d'été, donc plus d'événements saisonniers avant la mi-août à présent, sauf surprise, mais normalement plus rien avant la mi-août. On a toujours la roue de la chance, hein, et on a surtout le Royaume Doré qui arrive. Le Royaume Doré, toujours en suivant mon guide, je vous en ferai peut-être un actualisé. C'est toujours le meilleur moyen d'obtenir facilement des récompenses et des rewards. Alors, en parlant de récompenses faciles, la roue de la chance, hein. Alors là, il n'y a rien de facile, c'est de la chance et encore, j'y crois pas trop. Je pense que c'est calculé pour nous mettre des carottes. Comme d'habitude, je continue sur Boadicée. Il reste un jour 13h et des étoiles qui sont toutes nazes. Un jour 13h, 44 minutes et 54 secondes. Franchement, je vais faire mon deuxième tour. Demain, je ferai 5 tours et un tour à taux plein. Est-ce que 8 sculptures? Alors voilà, dès que je me plains, on me donne 8 sculptures pour que je me teste. Donc ok, je peux rien dire là. J'ai 8 sculptures, du coup, je dois pouvoir la monter. La petite Boadicée d'un level ou même pas, où je me fais carotte. Regardons, oui, je peux. Avec le petit P, hein. Pour ceux qui ont oublié, le petit P, certains disent que ça veut dire premium. Mais non, en vrai, c'est le P de Patatou, bien évidemment. Donc je suis à 10 sur 10, magnifique. Je passe à 3 pour la première compétence et je vais continuer de l'upgrader comme ça. J'espère que je vais en avoir pas mal, ce qui me permettrait de passer à 4 voire 5 pour sa première compétence. On va donc parler nouveau système de KVK. Alors pourquoi nouveau système? Puisque c'est le Heroic Anthem, hein, mais en version nouvelle avec les tours comme vous le voyez. Et regardez, alors ce screen, il est issu d'une vidéo de Fleisch. Un youtubeur connu du 1860, s'il n'a pas migré, assez critiqué sur le dernier KVK, hein, mais comme beaucoup de joueurs, malheureusement, quand ça perd, on critique un peu tout le monde. Donc regardez au niveau de la porte ce que ça devient, ce nouveau KVK. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur le nouveau système de KVK saison 4 Heroic Anthem, hein, Power Sup, je crois, quelque chose comme ça, on peut, c'est son nom, on peut transformer avec des commandants ou pas, hein, les balistes, hein, en tourelles de défense qui tirent des flèches. Et regardez donc, du coup, les mecs se mettent face à face sur les portes. On n'est plus sur du Rise of Fortress, hein, on est sur du Rise of Tower, du Rise of Tourelle. Regardez là, ils mettent des champs de tourelles face à face. Ce qui fait que la première troupe qui va passer, elle va se faire éclater la bouche. Même un rallye, même n'importe quoi qui essaye de passer, ça va se faire fumer. Faut que Lilith patch urgemment ce système-là. Un, qu'ils empêchent de poser des forteresses en dehors de la zone de départ. Et deux, qu'ils empêchent de poser masse tourelles comme ça côte à côte. Ça devient n'importe quoi. Évidemment, actuellement, Lilith est plus préoccupée par le fait de faire du cash et donc de nous mettre un patch pour les technologies cristal et nous mettre des carottes et qu'on dépense plus. D'ailleurs, rectification de la vidéo d'hier, les premiers soins, ce n'est pas sur les soins de T5, hein, c'est le médicament ou médical, un truc comme ça, qui est sur le soin des T5, donc c'est pas ça qu'ils ont patché, ça change rien à la finalité de ce patch. Mais voilà, vous feriez mieux, Lilith, de patcher ça sérieusement. Là, ça craint de ouf et j'ai peur de me retrouver dans ce système de KVK, sachant que Lilith impose pas mal d'aller sur ce système en se limitant l'accès à la lutte des 8, qui est le KVK le plus apprécié du moment. On va donc passer, en parlant KVK, à la puissance des royaumes avec le classement du 1093 qui a été tout juste mis à jour il y a 2 jours. Vous allez le voir. Avant cela, regardez, il y a d'abord ce premier classement. J'aime bien vous partager un petit peu les classements qui sont diffusés. Celui-là vient de Rockboard. Ça va vous donner
une comparaison avec celui du 10-93. Sur certains points, ils sont proches, sur d'autres, ils sont très loin. Au niveau Rockboard, hein, ils mettent il y a 4 jours, à peu près pareil que la mise à jour du 10-93, et vous allez voir les différences. Hein, sur les kills T4 et T5, selon Rockboard, hein, le royaume en tête, le royaume numéro 1, est le 12-54. C'est pas étonnant, ça me paraît cohérent. Deuxième, le 18-46. Troisième, le 15-56. Alors, le 15-56, autant le 18-46 et le 12-54 n'ont pas encore fait de grosses campagnes de recrutement. Je ne pense pas qu'il y en aura parce qu'en plus, ils sont toujours un peu même. Le 15-56, lui, a pas mal recruté, moins qu'il le souhaitait puisqu'il est repassé un période, mais pas mal. Le 19-60 qui est à la quatrième position. Cinquième, les 1V, les 10-34. Alors, le 19-60, c'est les 60 GT, évidemment. 6e, le 365 avec les JST. 7e, le 1412, la bise à Diego. 8e, le 1307. 9e, le 1647. Et 10e, le 1429. Et on retrouve 11e, le royaume de notre ami Daenerys également, le 1093, qui mériterait d'être dans les 10 premiers. Ça joue à pas grand chose pour qu'il passe devant le 1429. Et vous le voyez, hein, le 14-29, ça date du 24 juin, son classement. Donc même lui, il devrait avoir une match. Voilà pour le classement d'après Rockboard. Passons à présent au classement selon le classement du 10-93, justement. Et regardez, donc ça a été mis à jour tout récemment. C'est pour juillet 2022. Si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont mis à jour le 18 juillet. On n'a pas l'info sur la page. Non, il n'y a pas l'info. Sur la page, les Kingdoms A, B, C et D. Regardez, 1440 royaumes de classés. Mode KVK. Pour le classement, le royaume le plus élevé à 30,602 milliards de puissance. Le royaume le moins élevé à 3,2 milliards. Vous vous rendez compte, 3,2 milliards, c'est-à-dire que vous mettez 3 babas et les mecs, ils ont autant de puissance que l'intégralité des joueurs du royaume. 3 babas, juste 3 gouverneurs. Ça, c'est assez ouf. Baba va sur ce royaume à 3,2 milliards. Il augmente la puissance de 25% immédiatement, hein, voire 50% s'il est chaud et qu'il migre à 1 milliard 6. Et l'average cap power, hein, la puissance moyenne des royaumes est de 15 milliards 273. Donc on voit, ça tire quand même fortement vers le haut. Regardons donc le classement tant sur les kill points que du royaume à des royaumes, à évidemment, que sur la puissance. Au niveau de la puissance, donc, le royaume le plus puissant est le 1960 en puissance nette, 30,6 milliards. Le deuxième est le 1307. Le 1307 va forcément baisser en puissance. Il est en KVK face au 960. Ça va être un clash de ouf. Je vous le montrais dans la vidéo d'hier et dans celle d'avant-hier également. Donc 30 milliards pour le 1307, 14,84, 28,2 milliards. Il y a quand même 1,5 milliard face au 960. Donc les deux vont chuter. Le 1534 arrive là par surprise. On n'en parle pas beaucoup du 1534. 27,6 milliards. Cinquième, le 1412. Sixième, le 1254. Vraiment un changement par rapport au classement proposé par Rockboard. J'ai tendance à croire, hein, le classement du 10-93. En tout cas, il a ma préférence. Septième, le 1647. Huitième, le 2244. Neuvième, le 1302, qui est l'allié du 1960 face au 1307. Et dixième, le 1122, gros royaume, le 1122. Avec les C9N. Et puis on retrouve d'autres gros royaumes, hein, le 1008 à la 11e position, 14e le 1556, hein, il est loin, et le 1846, où est le 1846? Le 1846, je ne le vois pas, mais je dois avoir un problème aux yeux. 1846, 1846, 1846. Je ne le trouve pas. On va le voir de toute façon quand on va classer au kill point. Il est quelque part par là. Je dois juste pas le voir dans la liste. Regardons au niveau du classement des kill points et vous allez voir beaucoup de choses changent triées par kill point. Et regardez là au kill point. Voilà, le 1846 est 55e en puissance, mais premier au kill point. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, pour bien migrer, ce qu'il faut faire, c'est prendre en considération la puissance du royaume, donc il faut un royaume assez puissant, mais surtout les kill points, puisqu'en fonction des kill points, ça va vous indiquer si le royaume est un royaume de fighter ou pas. Aussi, en prenant en considération l'historique, le 1846,
Avant de migrer dessus, je conseillerais aux joueurs, par exemple, d'attendre un KVK. Ils laissent voir ce qui se passe sur leur prochain KVK, voir si leur défaite face au 1365 ne va pas laisser trop de traces et que le royaume va rester uni et soudé. Le 1254, lui, il n'y a pas de souci, hein, il est deuxième juste derrière le 1846, hein, royaume solide. Donc voyez, le premier est 55e en puissance, le deuxième est 6e en puissance, le troisième, le 1556, est 14e en puissance. Et là, la remontada la plus spectaculaire, pratiquement la plus spectaculaire, 69e en puissance pour le 1365, mais 4e en kill point, hein, à 1 milliard 3. Donc vraiment juste derrière le trio qui est au-dessus, même plus que ces 1300 milliards. Hein. Et donc 1400 milliards, il est juste en dessous la barrière des 1400. Autant dire le 556, le 254 et le 846 se tiennent dans un mouchoir de poche. On retrouve après le 1960, le premier chute à la cinquième place au niveau du classement en kill point. Le 14-12 qui passe, qui est très équilibré, hein. Il est cinquième en puissance, sixième en kill point. C'est un excellent royaume. Franchement, les royaumes équilibrés comme ça fait vraiment plaisir. C'est du très lourd et du très sérieux. Le 1307, pareil, deuxième en puissance. Ils sont septième en kill point. Et regardez, c'est là la plus grosse remontada, le 10-34 des 1v1. Ils sont huitième, 2, 4, 6, huitième en kill point. 124e en puissance. Les mecs sont même pas au-dessus des 23 milliards de puissance alors qu'ils sont à 955 milliards de kill points. Énormissime. Tout comme le 1647, lui, il chute à l'inverse, hein, mais ça reste un royaume équilibré. Le 1875, le 1429, grosse remontada. Donc, vous le voyez, si vous cherchez un royaume bien équilibré, le 14-12 est très équilibré et c'est un royaume vraiment prometteur. Le 13-07 également très équilibré. Le 1254, hein, l'est également. Et ensuite, il y a, si vous voulez un royaume du top 20, mais pas du top 10, hein, celui que je vous conseillerais, ça serait le 1647, qui est très équilibré, qui est propre. Le 1093 aussi, grosse remontada, gros royaume. Mais vraiment, là, en plus, ils ont des stats de ouf, c'est les leurs, donc elles sont fiables. On a aussi des plus petits royaumes, hein, qui sont comme le 1474, le 1474, gros royaume, hein, 23e, il est très équilibré, il est 15e en kill point, 23e en points, le 1228 également. En revanche, le 1302, il y a quand même des questions à se poser, il est 9e en puissance, mais il est que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18e, il est le double de ça en classement en puissance. Au niveau du kill point. Donc voilà, vraiment, là, c'est les questions que je me poserai. Le 1484, vous voyez, hein, ils descendent en kill point. Ça veut dire que c'est des royaumes qui sont pas des royaumes, ils sont des royaumes très puissants, mais pas forcément des royaumes de fighters. Alors, est-ce qu'il faut aller dessus? Ben, moi, j'hésiterais en tout cas. Quand un royaume est si puissant, mais si bas en kill point, ça veut dire que forcément, les mecs, moi, je vois pas d'autre explication, hein, que les mecs ne se battent pas vraiment, hein, pour le coup. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. On va regarder les B parce que parfois on a des surprises sur les B. Les B, donc ça commence au 361e. On a des mecs qui sont très très loin et qui pourtant sont des vrais fighters. Et on en a un, regardez, le troisième B. Il est 638e en puissance. Il n'est qu'à 15 milliards. Le Kingdom, le K, j'allais dire. Le K13-16, il est qu'à 15 milliards 6 en puissance. Pourtant, il a 256 milliards de kill points. Ça reste très lourd, hein, 256 milliards. Donc le 13-16, aujourd'hui, pour moi, doit être l'un des meilleurs Kingdom B. Pareil, celui qui est 680e, le 17-22, très gros fighter. Et le 1158 également. Vous voyez, on a des royaumes qui sortent de nulle part et qui se classent très très bien en bracket B. Donc si vous êtes un joueur qui recherche un royaume B, donc pas A, un royaume intermédiaire, puisque vous n'avez pas la puissance pour aller sur les plus gros impériums, le 13-16 reste un excellent choix et le 17-22 également. Sur le C, toujours pareil, hein, classé par kill point, hein, au niveau du kill point, voilà. Le premier.
Donc les C, ça commence à 700. Regardez, si je remets en puissance le classement, tac, on remet en puissance, bah, je peux le mettre directement en cliquant là, voilà. Si je remets en puissance, ça commence à 721. Eh bien, le premier, c'est le 929e. Il est à 251 milliards de kilopoints. Vous vous rendez compte? Le premier en kilopoint des brackets C est devant celui que je vous disais, hein, le 13-16. Donc il est vraiment. Non, il n'est pas devant, il est juste derrière. Donc vraiment 929e en puissance, mais au kilopoint, les mecs sont ultra balèzes. Et regardez, hein, si on regarde le classement, quand je vous dis qu'il y a des brackets B qui sont très très bons, regardez, les mecs, ils pourraient être sur des classements de brackets A. Si ils étaient sur des. S'ils avaient plus de puissance, hein. Ils ont autant de kill points que le 21-10, que le 16-15, que le 1401, que des grands royaumes. Hein. Donc ces royaumes-là, c'est vraiment des très très. Vous voyez, on a une liste, ils les éclatent. Hein. Pareil pour un bracket C. Il y a vraiment des très très gros royaumes. Dans ces royaumes-là, des vrais royaumes de fighters, il n'y en a que deux qui dépassent les 200 milliards, même 218 milliards pour le plus petit des deux. Et sur les kill points du dernier, du bracket D, on est sur des beaucoup plus petits royaumes. Mais regardez, le premier, le K1433, il n'a que 11,6 milliards de puissance. Et en kill point, hein, il serait dans le top 5 des brackets C. Donc c'est assez énorme ce classement-là. C'est celui que je vous conseille de suivre pour migrer. Et si vous réfléchissez un bon royaume, c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Alors, au niveau du top 20, comme je vous l'ai dit, hein, des royaumes A, il n'y a pas de surprise. En revanche, pour le B, C et D, si vous cherchez encore une fois des royaumes intermédiaires, un bon B, j'ai déjà combattu des royaumes de Coréens, des bons B sont vraiment des très très bons alliés où il fait bon vivre dessus et il y a une bonne structure. On va finir, les amis, avec une petite ouverture de coffre. Ça fait quelques temps que je ne vous en ai pas fait une. J'ai stocké 67 clés en or. On va voir si Lilith, depuis le patch, a poussé encore un peu plus, hein, pour qu'on obtienne davantage de Tumto 6 ou pas, Tumto 6 plutôt, ou pas. Et pareil pour les plans. 38 clés. Si j'ai un plan ou un fragment épique, c'est un très bon tirage, puisque normalement c'est à partir de 50. Et vous le voyez, un violet. Non, j'ai rien eu. Donc j'ai eu un tirage éclaté, même si j'ai eu pas mal de bleus. Pareil, 67 clés en or, c'est très simple, hein. Si j'ai autour de 67 sculptures, c'est un bon tirage. Sauf si j'ai énormément de Farmer, Cléopâtre, Séondéoc, Ishida. Plus de 67 clés, tirage de ouf. Moins de 60 clés, 55 clés, tirage éclaté, surtout si j'ai beaucoup de commandants de farm. Allez, on va se faire cette ouverture. On va voir tout de suite ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un bon tirage éclaté. Alors, j'ai la chance, j'ai eu Ragnar. Ragnar x2, donc 20, 25, 31, 36, 38, 40, 42. 42 sculptures, dont 7 de 11 de farm. Franchement, j'ai l'impression que Lilith se fout vraiment, vraiment de notre gueule en ce moment au niveau des tirages. J'ai l'impression, alors dites-moi à la vôtre, j'ai l'impression que ça a été très, très grandement diminué au niveau des tirages, l'obtention des sculptures. Si vous avez fait des bons tirages, dites-le moi, mais moi, ces derniers temps, ils sont tous vraiment éclatés comme ça. Alors, est-ce que ça me permet tout de même de monter et de mettre un petit niveau à Ragnar supplémentaire? Je vous le rappelle, hein, actuellement, avec les coffres, j'essaye de monter Mulan, mais Ragnar non plus, il n'est pas au max chez moi. Il le sera avec le temps, hein, tout comme tous les commandants des coffres, tous les autres le sont, sauf Mulan et Ragnar et maintenant Thoutmôsis. Bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, tant en termes de KVK que pour la migration si vous êtes en pleine réflexion. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.